Le prince William est sur le point de recevoir un nouvel honneur, ce qui pourrait être un énorme choc pour le prince Harry, car il était initialement sélectionné pour le rôle. Le prince Harry a subi un deuxième revers en l'espace de 24 heures, après l'annonce que le prince William recevrait un nouveau titre majeur. Le palais de Buckingham a annoncé que le prince William serait nommé colonel en chef de l'Army Air Corps, l'ancien régiment du prince Harry. On pense que le rôle aurait été transféré à Harry s'il n'avait pas quitté ses fonctions royales officielles il y a 4 ans. Cela survient quelques heures après qu'il a été révélé que le roi Charles n'était pas prêt à rencontrer le prince Harry lors de sa visite au Royaume-Uni, bien qu'ils soient tous deux à Londres à quelques kilomètres l'un de l'autre. Charles aurait un emploi du temps chargé, puisqu'il devrait assister à une garden party au palais de Buckingham tandis que le prince Harry visitera la cathédrale Saint-Paul de Londres pour une cérémonie d'anniversaire des Jeux Invictus. Meghan Markle n'a pas rejoint son mari, le prince Harry, à Londres et s'envolera directement pour le Nigeria, où le duc et la duchesse de Sussex rencontreront de hauts responsables pour des discussions autour des Jeux Invictus.